Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione di Timur Bakayoko. Hello and welcome to the press conference for Timur Bakayoko. Prego Mauro. Grazie Nicola. We'll start with Mauro. Baka, hai lasciato il Milan. Hi Mauro. So you left Milan playing against Spal in Ferrara, just as they're on the cusp of the Champions League. Now you come back and you found them in Champions League. What has changed? What has grown with Milan over the past years? Milan à Ferrara contre Spal au bord de la Ligue des Champions. Et maintenant, tu le retrouves en Ligue des Champions. Je crois que tu as suivi le club dans ces deux années. Et as-tu vu ces Milan évoluer pendant ces deux années? Qu'est-ce que tu trouves en quoi AC Milan a évolué? Bonjour à tout le monde. Pour commencer, c'est vrai que je garde de mauvais souvenirs de ce match contre Spal. On avait fait un très bon match, mais on avait raté la compétition à un point. Donc je suis très content de revenir ici et d'avoir cette possibilité, cette chance de jouer cette compétition. Le club a énormément évolué, l'équipe est pour moi encore plus forte, donc il n'y a que du positif. Yes, hi. Hi, everyone. I do remember that match against Spal. It's not a great memory because we were almost there, but we weren't able to qualify for the Champions League. But it's great to be back in Milan and great to have Milan back in the Champions League. Milan is a lot stronger than it was then. They've grown considerably and I'm very happy to be here. Baka, you know the Milanello training ground well, you know the people, you know the chorus of the Curva Sud every time you go on the pitch. Are these things that make bring the best out of you and make you a better player? Tu connais très bien les fans de l'AC Milan, tu connais la structure milanaise, l'ensemble de clubs, et tu connais aussi ce que les fans chantent quand tu entres le stade de San Siro. Alors ma question est-ce que c'est ça qui te permet d'exprimer au mieux et que ressort le meilleur de toi-même? Oui, c'est sûr que j'ai une relation très très forte avec les supporters. Comme vous le savez, les débuts n'ont pas été faciles pour moi. Et au fur et à mesure des mois, j'ai pris en confiance et je me suis énormément bien senti ici. J'ai reçu beaucoup d'amour et j'ai juste envie de le rendre, tout simplement. Yeah, absolutely. I've got a great rapport with all of the supporters for Milan. Even though at the beginning it wasn't easy for me, but as the months went on, in that first experience with Milan, I was able to gain the trust of and the affection of all the supporters of Milan, and I hope to pay them back that trust. Hi Baka, on paper you're not a starter for this Milan. How do you think you, what you have to do to get on that list? And what can you give more to the team to start in Champions as well? Te demander de faire de différent par rapport aux autres et surtout en pensant à ton expérience en Ligue des Champions. J'ai eu une discussion avec le coach à mon arrivée. Donc de toute manière, c'est dans le football, on sait très bien qu'il faut bosser pour gagner sa place. Je suis pas venu ici pour réclamer quoi que ce soit. Je vais travailler, je vais essayer d'aider l'équipe parce que l'équipe au jour d'aujourd'hui, elle travaille très très bien. Elle a des très bons résultats. Je vais essayer d'apporter juste mon expérience de mes clubs le passé et donner le meilleur de moi-même pour essayer de jouer le plus possible. Well, as soon as I arrived here, I spoke with the coach, Stefano Pioli, and we were relaxed, and he knows very well that in football,
Everybody has to earn their position. I'll do my best to make that contribution. The Milan side are doing very well. They're getting some great results. And from my behalf, I want to bring the experience that I have with my previous clubs and on international level as well. Hi, welcome back. I'd like to make two questions, if possible. The first, Paolo Maldini has always spoken about you. He's got a very good rapport with you off the pitch. Can you let us know what type of relationship you have with Paolo Maldini, and have you seen him grow as a manager? Paolo Maldini, dans ces deux années, a toujours parlé très bien de toi. Il a aussi dit que vous avez un rapport très fort qui va au-delà de foot. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette relation, de ce rapport avec Paolo Maldini, et si tu l'as trouvé changé après ces deux années? C'est vrai que moi et Paolo, on a une très très bonne relation. Il m'a beaucoup aidé lors de mes débuts, lorsque c'était un peu plus difficile pour moi. Donc au fur et à mesure du temps, on s'est créé une relation très très forte. Il a toujours pris de mes nouvelles ces deux dernières saisons. Il n'y a rien d'autre à dire. Je pense que c'est une très très bonne personne. Voilà, même la carrière qu'il a faite est très très grande. Donc j'ai beaucoup appris à ses côtés et je suis content de le retrouver ici. Yeah, it's very true that Paolo and I have a great relationship, and it's gotten stronger and stronger. Started when I was in the first days at Milan. I was under a bit of stress. I found the going a little tough, but he helped me, and he's such a great person, and you can see by what he's done for football. I will always be by his side. I have learned a lot from him. And the second question, it's a very French-speaking Milan side. Is this Milan side stronger than the one that you left? Oui, je me rappelle de ma venue ici. J'étais, je crois, le seul Français. Aujourd'hui, je retrouve une équipe avec énormément de Français, énormément de gens que je connais d'ailleurs. Donc oui, je pense que c'est une bonne chose. L'équipe est meilleure encore, je trouve, pas à cause des Français, mais en règle générale, c'est une meilleure équipe. Donc je suis juste content d'être ici, de les retrouver, et j'espère qu'on va faire de grandes choses tout ensemble. Yeah, absolutely. It's a very different Milan side from the first time I was here, and a lot more French-speaking. I see a lot of French national team colleagues, and it has grown a lot, this side, not just because of the French-speaking players, but just that the side is a lot stronger, and I can't wait to play alongside them and get some good results with them. Hi, Timoré. You're a Chelsea player, but well, you're owned by Chelsea. Chelsea haven't really believed in you, putting you on loan for many times over your career. At this point, do you think that you're a little tired of having options alone, on being on loan? Do you think Milan can be your home in the future, and can you win the Scudetto with Milan? Profiter de tes qualités parce que en effet il y avait le prêt à Milan, Monaco, Napoli et maintenant encore à Milan. Alors il y a l'option d'achat. Alors tu es ici avec une option d'achat et tu ne voudrais pas que Milan devienne ta nouvelle maison et aussi peut-être remporter le titre de champion d'Italie. Bien sûr que j'aimerais
J'aimerais rester ici. Voilà, on sait que j'ai une très très forte attache à ce club. Je suis vraiment heureux d'être revenu. Je vais essayer de travailler, de faire ce qu'il faut pour prolonger tout ça, parce que j'ai toujours dit que Milan était comme ma maison. Donc je vais tout faire par rapport à ça. Et bien sûr, je pense que quand tu t'appelles le Milan, tu as envie de remporter tous les trophées. Donc on va essayer de se battre pour finir le plus haut possible. Yeah, for sure. I'd love to stay here in Milan. It's well noted how connected I am to this side, to this team. I do really think of Milan as my real home. And playing for Milan, I just want to make sure that we get the best results possible and win as many trophies as possible. Stefano Cantalupi, Gazzetta dello Sport. Ciao, buongiorno. Hi. Just want to link on to a previous question. You've had a lot of experience on loan. Has it weighed on your career? And you think it's time to stick to one side? Maybe Milan, do you have the will to stick around and prove yourself here? Tu as eu plusieurs expériences chez des clubs, mais toujours sur base temporaire avec option d'achat. Et alors, c'est maintenant, tu ne crois pas que c'est le moment de t'arrêter et de rester avec le club et de montrer tes qualités aussi par rapport à ceux qui n'ont pas cru en toi? Si, bien sûr. Je pense que j'arrive à un moment de ma carrière où j'ai besoin de stabilité. C'est vrai que ces dernières années, j'ai fait énormément de prêts. Donc l'objectif pour moi, c'était vraiment de me stabiliser dans un club et d'enchaîner et de pouvoir rester dans un club plusieurs années. Je pense que Milan, c'est un club fait pour moi. C'est ce que je pense intérieurement et je vais essayer de faire en sorte que ce soit le cas. Yeah, absolutely. In my career, I think it's time for me to settle down after all of these loan deal experiences. I'd like to stay, and Milan is the side that is closer to my heart and where I'd like to stay for as long as possible, and I'll do everything possible for that to happen. Hi, just wanted to ask Bakayoko, how many minutes do you think you have per match? And we've seen that Tonali may not be up to 100%, and if your experience in Serie A can show what you're made of in the midfield of Milan. Est-ce que tu es prêt de jouer dans le milieu de terrain chez le Milan qui, à part Tonale, n'a pas montré d'être si performante? Et l'autre question est avec ta troisième année chez Serie A, est-ce que tu crois que c'est le championnat qui est mieux pour toi? Je pense que l'équipe a bien joué au milieu, contrairement à ce que vous pensez. Oui, je me sens prêt. J'ai déjà discuté avec le coach. C'est bien que ce soit la trêve pour mieux me préparer pour les échéances qui nous attendent. Donc je vais essayer de me préparer du mieux possible et d'aider l'équipe. Well, contrary to what you've just said, I think the Milan midfield is up to scratch and they've played well. I'm ready to take on this battle with my colleagues to start in the midfield, but it's up to the coach and I'll just do everything to earn that place in the starting lineup. Welcome back, Bakayoko. How have you found your midfield teammates
and especially Tonali. And do you think Milan can go a long way? Maintenant, il y a la question de ce renouvellement. Oui, moi et Franck, on s'entend très bien. Maintenant, c'était il y a 2 ans. En 2 ans, énormément de choses ont changé. Mais oui, je pense qu'il a évolué. J'ai pu le suivre ces dernières années. Et il a passé un réel cap et je suis content pour lui. Maintenant, à côté de ça, tout ce qui concerne son futur, je peux pas dire grand chose. Mais forcément, j'espère qu'il va rester ici. C'est un joueur très important pour l'équipe, donc oui, je le souhaite. Yes, I get along really well with Frank Kessié. Over these years, he has grown considerably in all aspects of football. I'm very happy to be alongside him and I'm very happy about his successes. About his future, well, obviously, I hope that he stays here and he gets good advice to stay here as well. Hi, welcome back to Milan. You've just got to know Zlatan Ibrahimovic, who wasn't in your previous Milan experience. Just want to know if there was anything in particular that has struck you about Ibra. Qui n'était pas là quand tu as joué ton expérience chez le Milan. Alors, tu as discuté, tu as parlé avec lui. Quelle est ton impression? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Oui, on a pu discuter hier lors de l'entraînement. On a pas énormément échangé. On s'est surtout présenté. Et voilà, tout le monde connaît Zlatan, tout le monde connaît sa carrière et le professionnel qu'il est. Donc, je pense que comme tout autre joueur, tu vas t'imprégner de ce qu'il fait, de le regarder, de recopier un peu le professionnalisme qu'il peut avoir. Et c'est un exemple, je pense, pour tout le monde. Donc, je suis content de pouvoir apprendre et d'être dans la même équipe que lui. Yes. Zlatan and I met. We introduced each other. His character and his personality is known by everybody. We just have to look up to him as an example and try and replicate what his attitude is. And I'm very happy to be playing alongside him so I can learn from him and lead from his example. Hi, welcome back to Milan. In Italy, you've been under Gattuso at Napoli and Milan. Now you're under Stefano Pioli. What do you think is different between Stefano Pioli and Gattuso tactically? Concerne le coach Gattuso, tu as joué avec lui tout d'abord chez le Milan et puis chez le club Napoli. Et maintenant, tu retrouves Pioli. Qu'est-ce que tu peux nous dire des différents styles de ces deux coachs? Il n'y a pas énormément de choses qui changent de ce que je vois. Après, ça fait que 2 séances que je suis avec le coach, mais je jouais à peu près de la même manière avec Gattuso que la manière dont joue le coach. Donc, il n'y a pas énormément de choses qui changent, je pense. Il faut juste s'adapter. Au milieu de terrain, je peux jouer tout seul quand je peux jouer à deux. Donc, je faisais la même chose la saison dernière avec Gattuso. Donc, j'ai discuté avec le coach aussi. Il m'a dit ce qu'il attendait et comment il pouvait jouer. Et c'est à peu près similaire. I have to say, not much has changed. Maybe just the way the training sessions are held, but the way that I played under Gattuso, I'll be playing here as well, always listening to the advice of the coach under his direction. What I'll do is provide my style, but always under the direction of the coach. I don't think there's too much difference between the two.
Hi, Timoe. Welcome back. Serie A has changed overall, the equilibriums between the two sides, between all the sides. Who do you think is the side to beat in Serie A? Do you insert Milan as one of those stronger sides who can fight for the Scudetto? Vous connaissez déjà les clubs qui vont se battre pour le titre. Je pense que le Milan a fini deuxième la saison dernière. Ils n'étaient pas loin de finir champion. Donc forcément, cette année, je pense qu'on a la possibilité de pouvoir se battre encore. Mais le plus important, c'est de prendre match après match, d'avoir le plus de points. Et d'ici quelques mois, on fera les comptes. I think Milan are definitely Scudetto contenders. They came second last year. But I think all of the clubs that are well known can win the Scudetto, but it's a match by match season. Bentornato Baca. Welcome back, Baca. You became a different player in your first experience at Milan, in a midfield of three players. Last season you were under Gattuso at Napoli, but with a two-man midfield. Now you'll be most likely playing in a two-man midfield again. Are you ready to make the same difference that you made in the first, in your first experience at Milan, tactically and technically? La première expérience que tu as vécue chez le Milan, tu as joué très bien et tu as eu des très bonnes performances quand tu as joué dans le milieu de terrain à trois. Tandis que quand tu as joué chez le Napoli, il y avait le milieu de terrain à deux et tu n'étais pas si fort comme le milieu de terrain à trois. Maintenant, tu vas probablement jouer dans un milieu de terrain à deux. Est-ce que tu crois de toute façon que tu vas jouer très bien et tu vas donner une très forte contribution, même si la tactique peut-être n'est pas celle qui est la meilleure pour toi, ou c'est probablement aussi l'ambiance de Milan qui te fait rendre si bien? Non, déjà, je pense que la saison dernière, ça ne s'est pas si mal passé que ça. Comme je l'ai dit, je suis capable de jouer tout seul comme à deux. Durant toute ma carrière, que ce soit ici en Italie ou ailleurs, j'ai pu jouer à deux aussi et j'ai pu être aussi performant. Donc, je ne m'inquiète pas par rapport à ça. C'est difficile de comparer Naples et Milan, ce n'est pas pareil. Donc, on verra comment les choses vont se passer. Je ne préfère pas me projeter, mais je vais essayer de donner le meilleur de moi-même, peu importe le poste, que ce soit à trois ou à deux. As you said, my performances should be the same, whether or not it's a two or three man midfield. It'll be up to the coach to decide who plays and what formation he'd like to play with. I think I'll be able to give my contribution in any case. Welcome back, Baca, and good luck for this new adventure of yours. You're back at Milan after 2 years, and a lot has changed. In these first few days at the Milanello ground, has something in particular struck you as different? Reviens chez le Milan après 2 ans et beaucoup de choses ont changé. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu as trouvé différent? Ce qui m'a impressionné dès que je suis arrivé, c'est le centre d'entraînement. Il est complètement différent de ce que j'avais trouvé il y a 2 ans. Donc, c'est des meilleures dispositions pour bosser, pour travailler. Donc, c'est ce qui m'a impressionné le plus. Mais en règle générale, le club
J'ai l'impression qu'en tout cas, le club a grandi énormément et je me sens très très bien depuis deux jours. Well, from the first moments that I arrived, I saw a lot of the changes at the actual training center to make our work more efficient. Definitely, the club has grown a lot in the last 2 years, and I'm very happy to be here. Buongiorno Baca e benvenuto al Milan. Se possibile, Baca. Vorrei sapere quanto sei stato vicino alla passata possible, a far ritorno in rosso-nero. Grazie. How close were you at, to come to Milan last season? Sì, l'anno dernière, tu étais près de revenir au Milan. Non, l'année dernière, il y a eu des discussions comme chaque saison, mais de là à dire j'étais prêt à revenir, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment, mais c'est pas très important aujourd'hui. Yeah, there were some talks last season. It was spoken about, but honestly, I don't know how far those talks went on. But the important thing is that I'm here. Andiamo da Enrico Boiani, Radio Rossonera. Ciao Timoè, bentornato al Milan. Hi Timoè, welcome back to Milan and Milan. You have found Giroud and Tomori, who were teammates at Chelsea, and you've found them here at Milan. And how have they made you feel welcome? Le Milan et je voulais te demander, tu as retrouvé Giroud et Tomori avec lesquels tu as joué à Chelsea et est-ce que tu as déjà parlé avec eux? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Oui, j'ai discuté avec eux juste avant de venir. Ils m'appelaient souvent en FaceTime pour savoir à quel moment j'allais être là. Donc c'était assez marrant, mais je les connais très très bien. Je les ai moi-même conseillé de venir ici avant qu'ils arrivent ici, donc je suis content de les retrouver ici et qu'on soit tous ensemble. Yeah, of course, we spoke. We spoke even before I came. They encouraged me to come. They're very happy that I was here, and me as well. Andiamo da Massimo Canta, Carta Canta. Hi Timoè, welcome back. It seems as if you've never left Milan, is what we've said previously. What is it that you're most excited about coming back to Milan? San Siro, the training ground, just being in Milan in general? Auquel tu attaches le plus? Non, mais c'est très très simple d'y répondre. Je pense que tout m'a manqué, que ce soit la ville ou le peuple de Milan, que ce soit les fans, que ce soit même les gens que je pouvais rencontrer dans la ville, le stade, tout m'a énormément manqué. Et ces deux dernières années, j'ai toujours continué à suivre le Milan et à venir de temps en temps quand j'avais le temps en famille. Donc oui, Milan, tout m'a manqué. Yeah, everything was missed about Milan. The people that I met on the street, of course, the fans, the stadium, the club. I always followed Milan over these years. I've always used to come back with my family here every now and then. So everything was missed. Sì, buongiorno, buongiorno Bakayoko. Hi, Bakayoko. I just wanted to understand something. What is it that you want to find here in Milan? Sorry, we've lost you. Can you please repeat? Just got some technical issues. Hang on. What is it that you want to find here in Milan? Carlo, non ti sentiamo. Prego, Mauro. Meglio? Meglio? Is that better? Okay. Facciamo l'ultimo tentativo. Sì? Allora, volevo sapere da Bakayoko. So, just wanted to know from Bakayoko, che cosa vuole cercare? What is he looking for in Milan and in the family Milan? Carriera.
that he hasn't found so far in his career? You've played in many big sides. What is it that you're looking for in particular? Wins? What are you looking for in this particular adventure with Milan professionally? Ce que je recherche, c'est de l'épanouissement, d'être heureux déjà dans ma vie de footballeur. Ensuite, comme tout compétiteur, j'ai envie de gagner des trophées, de gagner des choses avec mon équipe. Donc, oui, d'être heureux. Je pense que le plus important, c'est d'être heureux, et c'est ce que je recherche. What I'm looking for is just to be serene, happy, calm, content, and to try and win as many trophies as possible, as is the ambition of any player, but ultimately just to be happy. Thanks very much. Thanks, Timo Ebb. Welcome back to Milan, and good luck.